Merci beaucoup, Monsieur Holford, pour vos très gentils mots d'ouverture et de présentation. Vous avez beaucoup d'expérience dans la vie de l'université, des archives et des bibliothèques. Je vous remercie. En tant que bibliothécaire en chef de cette université, vous avez suivi vos prédécesseurs, tous remarquables. Et on peut en mentionner le docteur W. Stuart Wallace, qui est un de vos prédécesseurs, qui a été bibliothécaire en chef pendant 31 ans et qui, quand j'étais étudiant, était le bibliothécaire en chef et m'a apporté beaucoup de son aide et de son expérience. Le docteur Wallace était lui-même un historien, un écrivain, un auteur, un enseignant, un professeur, et il était toujours intéressé par ses étudiants. Il discutait beaucoup, il nous donnait beaucoup de conseils sur les documents et les archives. Il a écrit des ouvrages qui ont été utilisés par bien des étudiants. Et dans chacun de ses chapitres, dans tout ce qu'il écrivait, il commençait son chapitre avec une citation d'un document d'archives. Et c'est comme ça qu'il s'engageait dans le processus d'éducation concernant l'utilité et l'importance des archives. Et je suis heureux qu'il l'ait fait. Et quand différents sujets se présentent, je me souviens des citations que le docteur Wallace a utilisé pour expliquer, par exemple, les plaines d'Abraham ou Jacques Cartier ou d'autres. C'était extraordinaire. C'était une influence extraordinaire que j'ai eue grâce à cet homme. Et puis, Robert Blackburn a été également un mentor important pour beaucoup d'étudiants. Il a lui aussi été bibliothécaire en chef pendant 30 ans, lui aussi. Monsieur Holford, vous aussi, vous avez assumé une grande responsabilité en tant que bibliothécaire en chef de cette université. C'est très bien, c'est merveilleux que vous soyez ici. Je suis sûr que vous le faites avec une distinction immense. Nous sommes dans cet édifice, donc j'aimerais en parler. C'est une sorte de document archivistique pour moi, pour la mémoire. Cet édifice, en fait, j'y ai vécu pendant 8 ans, quand j'étais doyen pour la faculté de cette université, avant d'aider à démarrer Trent. Et je dois dire que j'étais simplement tout jeune diplômé à l'époque. Beaucoup de mes collaborateurs étaient plus âgés. Et ils m'ont bien accueilli. Et puis aussi les anciens étudiants. Il y a une personne qui est venue un jour, qui s'était diplômé 30 ans avant et qui vivait en Colombie-Britannique. Et il n'était pas revenu à l'université au cours de ses 30 ans. Et il voulait revenir voir où il avait vécu, puisqu'il y avait 200 étudiants qui avaient vécu dans cet édifice. Et il a discuté avec moi et il m'a demandé à voir la pièce 217. Et ça se passait assez souvent, des anciens étudiants qui voulaient voir là où ils avaient vécu. Et j'ai dit, bien sûr, alors nous y sommes allés. Et à mon grand étonnement, il a sorti un tournevis. Il a, avec son tournevis, enlevé une dalle sur le sol. Et il a ressorti une bouteille de whisky. Ça aussi, ça fait partie des archives. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très honoré, je suis touché d'avoir été invité à ce sommet et d'en être le président. Et je vais vous dire quelques mots, juste quelques mots, je vous assure, parce que à l'âge de 85 ans, je n'ai pas beaucoup nécessairement une réflexion très logique, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Alors tout d'abord, je voudrais féliciter ceux qui ont décidé de planifier et d'organiser cette conférence. C'est une conférence
qui est significative, qui est inhabituelle. C'est une entreprise énorme. Et c'est une conférence qui va apporter une contribution importante aux archives du Canada et aux services qui sont fournis par les organisations de services d'archives. Et je voudrais me joindre à Larry pour féliciter mon bon ami Ian Wilson, qui est le fondateur de cet événement. J'ai quelques commentaires assez généraux dont vous faire part sur le sujet des archives. Mais tout d'abord, je dois vous avouer quelque chose. En fait, je n'ai pas de qualification formelle ou professionnelle sur le sujet des archives. Je n'ai même pas suivi de cours sur les archives, donc je n'ai pas de diplôme du tout dans le domaine. Et je ne sais pas ce que c'est que la numérisation. Je ne pourrais pas distinguer ça d'un enzyme. Mais j'ai été invité à participer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis très intéressé par les archives et ces archives m'ont été très utiles dans l'exercice de ma profession. Je suis en fait une sorte de dépendant aux archives, d'accro aux archives. Et je comprends la nature des archives et comment nos vies ont été enrichies grâce aux archives. Ce qui nous permet de nous développer en tant que société. Au cours des années, j'ai remarqué, ou je me suis retrouvé en fait à présider différents comités, conseils, commissions, etc., au niveau fédéral, provincial, local ou même international, une cinquantaine en fait. Et le résultat, c'est que mes bons amis aux archives de l'université Trent doivent me détester parce que chacun d'entre eux me retrouve dans les différents documents concernant les commissions et les conseils. Et j'ai des collègues, ma collègue ici de l'Université Trent, qui peut me dire que je lui infligeais beaucoup de documents sur les différents sujets que j'ai étudiés. Certaines de ces entreprises, certains de ces efforts ont été utiles, d'autres non. Mais ils ont tous produit, émané des archives et qui seront peut-être intéressants pour les chercheurs dans les années à venir. Donc je dirais que en général, les travaux que j'ai faits sont peut-être d'une certaine valeur, certains en tout cas. Et je dis cela parce que, après ma réflexion, je sais que ces différents efforts m'ont fait penser que le point de départ, toujours, c'était des archives. On est toujours parti à partir d'archives pour savoir ce qui avait été déjà étudié, ce qui avait été négligé. Et à partir de là, quelle était la fiabilité des conclusions, quels sont les aspects de réflexion et d'études qui devaient encore se faire. Ces archives sont donc un point de départ pour tout effort d'études et de recherche, en particulier dans le domaine de la politique publique. Donc, on peut conclure donc que je suis d'accord avec la conclusion de la Commission sur les études canadiennes, à savoir que les archives sont la base des études canadiennes. Et en fait, j'ai été conforté dans cette idée. Ces archives apportent beaucoup d'informations, beaucoup de documentation pour faire progresser la science humaine et la connaissance humaine. Et comme nous tous, je voudrais remercier la profession archivistique et le travail de tous les archivistes. J'ai quelques préoccupations dont j'aimerais vous faire part brièvement.
Il y a eu beaucoup de progrès pour ce qui est du développement des archives, pour ce qui est de l'éducation en matière d'archives et pour la création d'un système archivistique canadien au cours des 40 dernières années sur lequel j'ai travaillé sur ce sujet. En fait, il y a beaucoup plus d'occasions d'éducation sur les archives et le système archivistique actuellement, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le travail archivistique a trouvé sa place en tant que profession respectée et importante, mais il y a encore des possibilités de progression dans ce domaine. Les progrès dans les méthodologies, par exemple, ont permis d'améliorer l'utilité et l'accès aux archives. Mais il y a encore des défis qui se présentent en ce qui concerne la stabilité, le coût et peut-être la mauvaise utilisation des archives. Avec la croissance de la population, l'histoire va s'accumuler. La complexité de la société va augmenter. Et donc, il y aura de plus en plus de documents, d'archives. Et cela posera des questions concernant le volume, la classification, classement et stockage des archives. Et il y a un défi croissant qu'il faut relever, celui des coûts. Comment mieux valoriser et mieux soutenir cette activité d'archivisme? Et puis, il y a également des questions d'éthique et de déontologie et des questions politiques sur l'utilisation des documents d'archives et sur les contrôles, les règlements qui doivent être appliqués, qui doit élaborer ces règlements, qui doit les surveiller. Et puis, il y a toujours la question de base qu'il faut prendre en compte et qu'il faut passer en revue et revoir périodiquement, à savoir qu'est-ce que sont les archives? Quelle est la définition des archives? Est-ce qu'il y a en fait une définition sur laquelle nous sommes tous d'accord? Si on regarde les dictionnaires de la langue anglaise, le dictionnaire d'Oxford ou le dictionnaire de Webster, les définitions sont différentes. On parle de peinture et d'autres documents, alors qu'un autre document parle du soin, de la préservation de documents physiques. Donc, il y a des points de vue différents du point de vue de la définition. Et de trouver des définitions qui sont acceptables et valables, c'est plus qu'une question de sémantique. Et c'est très important pour ensuite pouvoir planifier le développement de la profession, pour allouer des ressources en temps et en budget, de savoir quelle est l'étendue des archives à partir de la définition sur laquelle on peut se mettre d'accord. Et on sait que ceux qui sont très impliqués dans la profession ont une vue, un point de vue clair dont ils nous feront part un peu plus, je l'espère, et ce, avec le public. Un domaine qui m'intéresse et qui n'a peut-être pas reçu suffisamment d'attention, à mon avis, c'est de savoir quel est le lien, la relation entre les archives et les documents et d'autres types de ressources. Il y a différentes dimensions d'archives pour ce qui est des objets en général. Par exemple, des médailles, d'autres objets. Et là, il y a certainement quelque chose à étudier. Chaque objet, que ce soit un document imprimé ou autre, chaque objet a son mot à dire, a son histoire à raconter. Un édifice, un site. Ce sont tous des objets dans une large définition. Et ce sont des objets d'archives dans un certain sens. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans le domaine, des travaux concernant
le patrimoine bâti, les monuments, les édifices, les sites. Et peut-être que ces travaux ne sont pas suffisamment liés avec le patrimoine documentaire qui peut expliquer, qui peut informer les gens, qui peut contribuer, apporter une orientation sur la manière dont on traite et on respecte le patrimoine bâti et les autres objets. Je crois qu'il est nécessaire de travailler en plus étroite collaboration sur ces différents domaines. Alors, on parle de système archivistique canadien. Ce mot « système » couvre au Canada beaucoup de choses. On parle de système fédéral dans notre pays. On parle de, et on utilise beaucoup le système, le mot système dans ce pays. Et je crois qu'il est important de prendre en compte l'aspect unique de chacune des régions et de chacun des territoires pour que l'on puisse établir un lien entre les différentes agences et organisations qui travaillent sur la préservation du patrimoine du pays. Il faut que l'on travaille tous sur cette cause commune et on n'a rien à perdre à travailler en collaboration. En fait, c'est une chose urgente parce que je dirais que nous sommes lancés dans une course contre la montre. Nous devons travailler à préserver les documents et objets de notre propre génération pour les générations futures, les objets et les documents de notre génération et des générations passées pour les générations futures. Et dans cette course contre la montre, en ce moment, quelquefois, nous avons des échecs. Malgré le bon travail de bien des gens, y compris bien des gens qui participent à cette conférence, tous les jours, il y a des documents sans prix, des objets sans prix remarquables qui parlent de notre société et de notre expérience qui sont perdus par des incendies ou par d'autres formes de négligence humaine ou simplement parce qu'ils s'usent à cause du temps. Et je me suis aperçu de cette réalité, de ce problème, il y a à peu près 60 ans. Et vous, je sais que vous en êtes conscient tous les jours. Mais pour moi, il a fallu deux incidents qui se sont produits à peu de temps d'intervalle. Le premier, l'ancien juge en chef du Canada, il y a un certain temps avec qui je travaillais où je parlais des études canadiennes et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait de ses documents personnels. Évidemment, tous ces documents officiels restaient avec la Cour. Et ce monsieur était étonné que je pose la question et il a dit qu'on n'avait jamais soulevé la question et que la plupart de ces documents avait été, disons, nettoyé, comme on dirait. En fait, ce sont des documents, c'était des documents qui n'étaient pas préservés, c'était des documents du juge en chef du Canada. Alors, je sais que vous avez remédié à cette situation en votre temps. Et puis, l'autre incident s'est passé il y a à peu près une semaine ou deux plus tard, après le premier incident. J'étais avec M.G. Cowell, politicien canadien, fondateur du CCF et du mouvement néo-démocrate au Canada. Et je lui ai posé la même question sur ces documents et il a dit qu'ils avaient simplement, on s'en était débarrassé du grenier une fois qu'il avait déménagé. Et en fait, il s'agissait de la personne qui avait fondé ce mouvement démocrate social au Canada, 28 cartons de documents perdus. Et c'est ces deux épisodes
qui m'ont amené à considérer qu'il était nécessaire de mieux faire attention à notre patrimoine archivistique. Et c'est un sentiment que je continue à avoir et dont je suis convaincu. Monsieur le Président, voilà pour quelques-uns des nombreux défis auxquels font face les archives et ceux qui sont responsables de leur conservation. Et de trouver des réponses à ces défis, c'est une tâche qui est vraiment d'importance nationale. Dans un monde où la compréhension et la connaissance sont essentielles, il est nécessaire de mieux développer notre système archivistique canadien par le biais de liens et de relations entre les différentes organisations. Et donc, il est nécessaire, comme je l'ai dit, d'avoir plus de collaboration entre tous ceux qui sont engagés dans la préservation et l'utilisation et la présentation des différents éléments de notre patrimoine dont les archives sont au cœur. Merci.